Hey hey, cucu mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode de Crooks The Big Heist. Alors, on est toujours sur la mission 16, on est toujours en direction du sous-marin qui est ici, magnifique demeurant. Notre objectif, c'est d'arriver ici, sain et sauf, sans trop se faire gauler par tous les gardes. J'ai fait un petit tour là, j'ai réfléchi à comment j'allais m'organiser. On est un peu dans le caca, sachant que notre jauge de danger est déjà en suspect. Et qu'elle va radicalement augmenter. Donc, en fait, on va déposer le mannequin écho ici. Et elle va aller chercher ça. Voilà, et revenir ici, tout simplement. Pendant que Bishop chopera le mannequin écho à la place. Je devrais pouvoir passer. Bon, celui qui devrait pouvoir passer, comme d'habitude, c'est celui qu'on avait enfermé ici. Donc on l'entend toujours aussi fort, mais il n'est d'aucun danger. La suite, c'est parti. Ça va être que l'Opco va devoir fermer, éteindre cette caméra-là. Je ne peux rien faire puisque les caméras sont ici. Vous allez dire, ouais, il y a peut-être passé par là. Ouais, alors on peut passer par là. Je peux faire passer requête ici, faire le tour, sauf qu'elle se fera forcément griller ici. Donc, quitte à se faire prendre par une caméra, j'ai envie de dire. Mais j'ai envie de dire que. Au final, je vais peut-être le faire en fait. Au lieu de les faire passer là et tout. Je vais peut-être faire ce qu'elle, elle va le faire. Est-ce qu'elle, elle va le faire, machin. Bon, bref. Tu vas prendre le truc et finalement tu vas venir là. Attends, excuse-moi, tu vas venir là. Tu vas sortir. Pendant que lui, bien sûr, passe dans l'autre sens. Hein. On est d'accord. Pendant que eux, ils sont ici, ils sont safe, ils ont rien à craindre. On va pouvoir venir là. Et on attend que lui passe. Et je l'enverrai par là. C'est-à-dire qu'elle se fera griller ici. J'ai pas d'autre solution. Mais elle pourra rentrer par là. Défaire ces caméras-là, ce qui est vachement avantageux quand même. Si je dis pas de bêtises, et une fois qu'elle sera là, qu'elle aura désactivé toutes ces caméras. Il faudrait qu'elle aille là. Mais elle pourra pas parce qu'elle a pas de clé. Lui, il a une clé porte d'acier. Est-ce que ça, c'est une porte d'acier? Oui. Bon. Tu vas bien? Ouais, ça va très très bien. Tu vas venir là, dropper la clé. Et elle, elle va dropper ça. C'est pas grave, hein. Il faudra que j'atteigne. Oh non, je me suis fait griller parce qu'il est passé devant le cône de caméra. Putain, mais non, mais là je vais recharger parce que c'est vraiment de la merde. Là j'ai fait de la merde complet. Donc je vais recharger. De toute façon on n'était pas loin, on va charger ça. Non parce que là c'est se faire augmenter sa jauge de sécu alors que j'étais nickel et que je c'est juste une erreur d'inattention. Je n'ai pas vu par où il passait vu que je l'avais placé près d'un cône de vision. C'est bête, c'est très très bête. Ouais, ouais. Vous voyez, il était là. Et en fait, juste en partant, il a fait comme ça. Et du coup, ben... Il manque Ikin. Et tu vas dropper la clé. Voilà. En avant. Et toi, j'ai dit, tu vas dropper ça. Voilà. Parce que sinon elle pourra pas rentrer dans la pièce et que ce serait intéressant qu'elle puisse faire tout ça. Ah, plus il y a deux gardes et tout. Oh là là, comment elle va réussir à faire ça? Ok. Technical spy. Oui. Tu vas faire ça et tu vas vite passer par là et venir là. Parce qu'on en profite vu que le gars il a le dos tourné. En espérant que ça passe parce que il va se retourner et elle va se faire voir.
Ah, c'est bon, c'est tout juste. Hein. Oh. Salut. Salut, salut, ça va? Je vais venir là. Là, je peux pas rentrer. Y a pas l'air d'avoir de conduit d'aération et tout le tralala ici. Hein, donc, la seule trappe, c'est ça. Y a pas d'autre moyen. Donc, on va faire ça comme ça. Et j'ai pas de truc pour shut la caméra. J'en ai pas en fait. Vous voyez, j'ai que des aimants. Mais je peux rien faire. Elle peut rien faire. Donc, je suis obligée de la faire voir par la caméra. Merde, le mec. Elle va attendre là un peu. Surtout qu'il a un tour de garde un peu. Ok, bon. Bah, tu vas venir là. Et ouais, je suis obligée. De toute façon, je suis obligée. Ok. Ok, meuf. Si tu peux me faire ça illico presto sans qu'il te voie, ce serait parfait. Oh non, mais merde, c'est pas vrai. Ça s'est joué à tellement pas grand chose. En plus, il fait le tour et tout. Oh non, je suis dégoûtée. Ah, mais il y a des sous là aussi. Je suis écœurée. Parce que j'ai deux aimants, elle va utiliser les deux aimants, mais à un moment donné, j'aurai... Ah non, ça me tue. Bon, je vais le laisser venir. C'est pas grave, on va perdre un peu de temps. Toi, ton point de fer, il fonctionne toujours. Ouais, on est tranquille à ce niveau-là. Ah non, ça se joue tellement peu. Je suis un peu dégoûtée, parce que là, je suis flagrante, hein, donc... Il est où Mais il passe où le gars? Je l'ai perdu de vue. Parce que bon, il vient là et là. Mais il est où? Allez, c'est lui. D'accord. Bon. Il est vénère, hein. Il arrive, hein. Mais bon, elle va rester là, elle ne craint rien. Je vais le laisser faire son truc. J'aurais pu recharger, hein. Mais bon. Le cas, il est tellement con, il dit tiens, je vais pas aller voir dans l'autre toilette, ça sert à rien vu que je l'ai vu rentrer dans celui-là. Tellement bête. Ferais mieux de revenir. C'est ça, va par toi. J'ai peur aussi, dis donc. Alors déjà, le garde, lui, il bouge pas. Lui, il va là, il va la voir, ok. Et lui, il arrive là. Parce que je suis sûre qu'elle va se faire choper. On va encore se faire choper dans le cône de vision de la caméra. J'en suis sûre. Ah non. Oh, j'ai eu peur. Ouais, mais j'ai mis en pause, donc elle va se faire choper. Ouais. Ça, mais ça sert strictement à rien. Non, allez, je recharge tout parce que là, ça va me gaver. Je perds trop, c'est dommage. C'est vraiment tellement bête. Ok, on va charger là. On va charger avant que ça dégénère et qu'à une seconde près, elle se fasse voir par l'autre sur le quai, là, sur le machin. Ah oui, bah oui, c'est comme ça, la vie, les enfants. Je préfère faire... prendre... C'est déjà assez compliqué, cette mission, que je préfère vraiment... Là, je fais gaffe, en fait. Hein. J'ai envie de dire qu'on fait attention à tout, hein. L'autre, faut vraiment que je vois jusqu'à la limite. Et bah jusque là, voilà, ça c'était obligatoire. Ok. C'est un peu tout juste là. Ok. Tu vas venir. Et tu vas rentrer.
Ça devrait être tout juste, mais ça devrait être bon. Oh là là, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ah, et non! C'est pas possible! Punaise, j'en ai marre! Pourquoi? Je recommence. Ah ouais, non, mais là, crotte. C'est pas du juste. On va recharger là. Non, je pense que je peux vraiment faire mieux. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, les enfants. Faut que je la fasse... qu'elle se fasse gruger avant, en fait. Que je la fasse avancer jusque-là avant. De toute façon, vu que je suis obligée de la faire gruger par la cam, peu importe, quoi. Voilà, ça c'est fait. Ok, c'est bon. Ce coup-ci, c'est bon. Normalement, il n'y a pas de problème. Elle sera en avance sur lui. Oui! Ah, ce cri de victoire. Ah non, mais là, ça commence à bien faire, hein, ce délire-là. C'est déjà assez complexe. Lui, ok. Je viens de faire ça. Et tu retournes. Normalement, c'est bon. Voilà. Ok. Là, maintenant, on est plutôt safe ici. On a des caméras ici, mais bon, si on passe plus ici, on est tranquille. Ce qu'il faut maintenant, c'est déconnecter les caméras ici. Sur ce truc-là. Pour que les autres puissent passer tranquille. Du coup, il va falloir jouer. De toute façon, qu'avec elle, hein, y a qu'elle qui est là dans le coin. Donc, tu peux te mettre derrière la porte. Je devrais pouvoir passer. Non, tu pourras pas passer, monsieur. Il faudra qu'elle chope les sous. Tant qu'à faire, hein. Et qu'elle aille dans son dos à lui pour ouvrir la porte. Tout en faisant pas voir par celui-là. Oh ouais, c'est chaud, hein. Clé de coffre. Quoi, il y a un coffre dans le coin? Ah, il y a plein de sous. Oh là là. Ah. Je me demande même si on pourrait pas, parce que j'ai des blocs portes et qu'il y en a encore deux dispo. Il y en a deux dispo. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on attire des mecs? En plus, il y a un poète-poète là, mais bon, pour l'instant, je peux pas encore aller le chercher. Pour qu'on puisse les enfermer, là, dans la porte, ici, là. Peut-être qu'il faudrait les enfermer, les deux. Quand les deux sont dedans, on les enferme, vous voyez. Après qu'on ait fait nos affaires, hein, qu'on ait récupéré ce qu'il faut. Mais bon. Pour l'instant, on va laisser venir lui. S'il n'y a pas de danger avec lui en face, on le suivra. Ouais, il y a toujours lui aussi. Non, ça devrait le faire. Ouais, non, il faut attendre que lui, là, il est fini. Et je la ferai sortir. Ok. Venir. Ah, attends. Attends, parce que je sais pas dans quelle mesure il va te voir ou pas. Et après, qu'est-ce que je fais? Je la fous où? Lui, il est encore à l'intérieur. Je peux
j'arrive pas à la planquer. Si je la mets à l'intérieur, ça c'est fait. Elle pourra rentrer. J'essaie de voir. Même là, si je la fais rentrer, je peux pas. En fait, je pourrais pas. Parce que déjà, même si je la fais rentrer là, lui en ressortant, il la verra. Parce qu'elle peut pas se planquer. Il va aller droit devant comme ça. Et si je la mets sur le côté. L'autre, il va aller par là. Ouais, je vais faire ça. Je vais la mettre là sur le côté. Tenter, hein. Ça va être compliqué, mais on va tenter. Parce qu'il sera pas dans sa bulle de sécurité. Et pendant, avant qu'il regarde par là, je la ferai aller derrière lui. Ah non, c'est bon. Oh. Parce qu'il va pas là tout de suite. Oh. Ce bol. Ok, on est revenu discret. Maintenant, il s'agit qu'elle se fasse pas choper non plus. Mais... là, elle peut pas ressortir. En tout cas, eux, ils sont safe, ils vont pouvoir avancer. Et lui, il va finir par revenir, donc... Si je la planque là, est-ce que c'est... Là. Je vais la mettre là-bas. Écoutez, on va... Vraiment, je sais pas. Parce que il va... Vous voyez, il a un tout petit champ de vision ici. Il la verra peut-être pas. Et là, lui, il la verra pas non plus. Je vais m'assurer qu'elle soit safe avant. De toute façon, après, ça aurait été chaud parce que... À moins de la faire aller dans le dos de lui. J'ai pas d'autre choix. Viens voir. Ça me stresse. Je suis obligée de regarder parce que si c'est pas bon, ben je vois que je vais trouver une autre planque. Je devrais pouvoir passer. Déjà lui, il va pas l'avoir. Ça c'est sûr. Maintenant il suffit de voir si lui. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, là, alors, elle se serait fait griller, mais ici, c'est ok. On peut revenir à eux, maintenant. Oh. Eh bien, si c'est parti, tu peux venir là. Oui. Bishop, tu peux venir là. Lui, il va aller après par là. Ok, donc ça veut dire que toi, tu peux déjà aller ouvrir la porte là. Et sortir s'il faut. Technicos, pareil. Ok. Là, on a un pouet, deux pouettes. Je sais pas pourquoi j'ai récupéré les pompes. Tu vas me dropper les pompes là. Tu vas me prendre le bloc porte. Et toi, vu que ce sera safe, tu pourras venir aussi ici. Lui, il va par là. Il va par là, après il revient comme ça. Ok, bon. Rendez-vous tout le monde ici. Normalement c'est... C'est quoi le topo? Est-ce que j'ai vraiment envie d'ouvrir cette porte là? On a tout ce qu'il faut?
Toi, t'as les semelles aussi. Tu peux me les enlever? Tu vas me prendre le pouet-pouet. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est lui qui se réveille. Normalement, il a aucune raison de venir ici pour nous choper, hein. Alors, il va surveiller là, il va surveiller là. Ouais, bah nickel. Moi, ça me va. Ok, bon. Maintenant, vu que tout le monde est presque au même endroit, là, ils vont se faire. Voilà. C'est-à-dire que quand il sera parti de là, il faudra qu'ils avancent tous. Il y a moyen que je les bloque les deux. Parce que ça va être chiant. Ça va être très chiant sinon. Donc elle reste là pour l'instant. Puis en plus ils sont ensemble en même temps, donc il va falloir s'organiser, ouais. Et j'enverrai Je Bishop. suis prêt. Bishop, il viendra ouvrir la porte là pour rendre les choses plus simples. Tu peux te mettre là du coup. Ça va barder. Tu peux te mettre là. Tout va bien? Ça va super. Toi, tu te mets là. Comme ça. Tout le monde a un poste. Voyez, ils sont tous les deux au même endroit. Donc le truc, ça va être de Une serrure bloquer, accrochetée? d'ouvrir la porte là pour que elle puisse sortir au lieu de se taper le grand tour, et qu'à la prochaine où ils sont tous les deux dedans, on les bloque. Comme ça, moi j'ai tout cet accès ici tranquille, et je n'aurai qu'à faire avec cela pour sortir et arriver au prochain niveau. Ce sera beaucoup plus simple comme ça, et à mon avis, c'est pour ça qu'on a autant de bloc-portes, c'est parce que il faut en gâcher deux ici. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Donc je vais gérer Bishop. Pourquoi j'ai... Ferait mieux de revenir. Non, 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 non. Oh my god. En fait, j'ai encore le truc qui est... Voilà, c'est ça, il fallait que je l'éteigne parce que ça me gênait un petit peu. Là, il est ici. Normalement, on est bon là. On est bon pour aller débloquer. Il regarde pas, mais je vais attendre qu'il parte vraiment. Non, ça devrait être bon. Bah, écoute, vas-y. M'attira. Elle va pouvoir sortir. Bishop. Je vais me les faire choper. C'est chaud. Après, lui, il re-rentre à l'intérieur. Et lui aussi. Mais bah, lui, il va être en avance. Ah, dites-moi pas ça. Ah, je vais l'envoyer, elle. Et pendant ce temps-là, on va envoyer Et maintenant. toi sortir tout de suite aussi. Pour bloquer l'autre porte en même temps. En avant. Non, putain. Tu viens de suite.
voyez, et normalement, ils vont lui se dire, bah, c'est pas grave, je vais passer par l'autre porte. Mais en fait, maintenant, ils sont bloqués tous les deux. Oh, j'espère que ça marche, hein, parce que là, il n'y a pas d'autre moyen. Comme ça, je suis tranquille. Ah, j'allais dire, il est où l'autre, mais ils sont tous les deux là. Ok, c'est bon, on est safe. Oui. Tu vas pouvoir prendre le coffre que t'as pas réussi à choper. Ouais, ouais. Tu peux aller là. Salut. Tu peux aller là. Ah là là, les enfants, on arrive à la fin. Puis ils sont tous les deux à la porte là. Hein. Ah non, il y en a un qui va quand même aller voir si l'autre porte est dispo. Et on va les choper. Tu vois, tu vas me choper ça quand même. Tant qu'à faire. Sans jamais. Et tu peux venir choper ça. Normalement, la voie est libre. Hein. Oh oui, les enfants, on a réussi, c'est pas possible. En fait, j'ai juste peur parce qu'il y a lui qui va venir choper ici. Donc j'attends sagement, vraiment sagement que ça se fasse. C'est parti. Tu peux reculer, s'il te plaît, parce que je sais... Il voit jusque là, hein, donc on est bon. Mais là, j'ai juste à les foutre ici. On a fini pas la mission. Juste le niveau. Ah, je suis dans un état, vous imaginez même pas, justement, je suis contente. Et maintenant, une serrure à crocheter. Oh là 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 là. Oui. Attention, il faut actionner les trois dalles simultanément pour démarrer le sous-marin. Mais d'abord, on doit s'occuper du marin. Ouais, voilà. Alors, prochaine étape, ce sera à bord du sous-marin, comme vous pouvez voir, et on a un type qui est là. Et il y a une dalle à aller faire là. Oh là là, il faut faire quoi? Et il résiste à tout, il va falloir du coup, je pense, l'enfermer dans un sas, à mon avis. Il va falloir ruser pour l'enfermer quelque part. Regardez, on a les poètes, on a tout ce qu'il faut. Et mais ça sera pour la semaine prochaine. J'espère que cet épisode de Crooks vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit message, un petit like hein, pour ceux qui regardent. Ça me fait toujours super plaisir. Vous abonner, c'est pas encore fait. Et à très bientôt pour la suite de Crooks The Big Heist sur la chaîne. Des gros bisous à vous. Salut.